Je suis Chantal Anglade, je suis professeure de lettres et je suis mise à disposition de l'AFVT, Association française des victimes du terrorisme. Aujourd'hui, je suis venue faire passer un message abolitionniste et je suis venue parler de l'actualité et donc des 11 djihadistes condamnés à mort en Irak. Et je suis venue affirmer la position de notre association, qui est une position qui s'oppose à l'exécution de ces 11 djihadistes, quels que soient les crimes qu'ils ont commis. Nous opposons à la peine de mort, tout d'abord par principe, c'est une évidence, et ce principe est absolument intangible. Nous tenons à ce qu'il y ait des procès, et des procès avec des éléments. Et nous ne souhaitons pas alimenter l'idéologie de Daesh en offrant des martyrs à cette organisation terroriste. C'est la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que la mort que certains, enfin que les victimes malheureusement subissent, ne peut pas être rachetée par une autre mort. C'est toujours extrêmement réjouissant de constater que les jeunes ont un esprit de création et que, à travers la création, les dessins que nous avons vus aujourd'hui, d'une part, ils ont des convictions et d'autre part, ils sont capables d'illustrer une pensée. Donc ça, c'est très, très réjouissant.